Yahoo Edibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc pour ma pile à lire du mois d'octobre, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc le jour où je filme, nous sommes jeudi 23, et en fait cette pile à lire commence à partir de demain. Je t'explique pourquoi, tout simplement parce qu'il y a une série par exemple qui est en à peu près 11 tomes, que je vais commencer dès demain, et donc c'est pour ça que je préfère te dire que c'est la pile à lire de septembre, enfin de ce qui reste de septembre et octobre, sachant qu'il y a des titres que je t'avais annoncé que je lirai en septembre qui vont être dans cette pile. Donc voilà, c'est juste que ça se remanie un petit peu. Bref, toujours est-il, on n'est pas à 10 jours près. On va commencer avec le 9 août, Tu me dévoreras. Donc il y a les deux tomes, parce que le tome 2 sort, je sais plus quand, je te mettrai les dates ici quand je dois te parler de dates. Toujours est-il, donc j'ai le 9 août, Tu me dévoreras. Je le présenterai lors d'une vidéo crash test avec le manga Skeleton. Je voulais te faire une grosse vidéo crash test avec aussi Harem, que j'ai été présenté lors de la vidéo Esprit Manga la précédente. Je voulais te présenter aussi deux ou trois autres titres qui restaient aussi de Miyan dans la collection Halloween que j'avais pas encore présenté, mais en fait j'aurais pas le temps, donc j'ai préféré abandonner cette idée de grosse vidéo crash test et on fera juste Skeleton et le 9 août. Ensuite t'auras une vidéo avis sur Anna et la Bête. Donc là j'ai que le tome 1, mais j'ai commandé le tome 2 ainsi que le tome 2 d'un autre manga que je vais te montrer juste après. Ensuite on continue avec un titre des éditions Anna. Donc j'ai fait une commande Anna, enfin sur le site Anime Store, qui est le site en fait des éditions Anna, Meian et Hot Manga. Et ils ont aussi des DVD si jamais tu le sais pas. Et donc j'ai lu le début du tome 1 de Jusqu'à ce que je te tue. Et j'ai commandé tout simplement le tome 2. Et je le présenterai du coup pour le mois d'octobre parce qu'il est dans le genre trailer. Donc forcément il va dans le Halloween Manga Challenge, parce que soit ça peut être considéré, enfin non, ça peut pas vraiment être considéré comme Amour d'automne, j'allais dire aussi, mais c'est une romance donc oui ça pourrait aller, mais c'est plus aussi un hurlement dans les bois parce qu'il y a une enquête. Bref, toujours est-il. Ensuite on continue avec le manga Luminous Blue, qui est donc un Yuri des éditions Taifu et qui est terminé en deux tomes. Le tome 2 doit sortir normalement, si je dis pas de bêtises, soit fin septembre, soit début octobre. Tu auras les dates ici, hein, je te le redis. Ensuite, je vais commencer, donc c'est pour ça que je te disais que c'était une vidéo pile à lire de septembre et octobre, parce que tout simplement, je vais commencer là prochainement à lire Banane à tout prix. Je vais commencer dès demain, je pense. Et en format numérique, je suis en train de lire le manga Eileen, la charmeuse de Belle. Je suis sur le tome 6 actuellement au moment où je filme. Et donc, il y a aussi ce titre-là, par exemple, qui devait être lié en septembre, qui n'est pas encore terminé. Ensuite, on va continuer avec Comme un adieu des éditions Akata. C'est une série terminée en 3 tomes. Donc elle, je sais, enfin ce titre-là, je ne sais pas encore si il va dans le Halloween Manga Challenge ou pas. Parce que techniquement, le gars a rétréci, mais faut voir dans, rajeuni, mais il faut voir dans quelles conditions et tout ça. Mais techniquement, il peut aller dans le Halloween Manga Challenge. Bref, c'est une série terminée en 3 tomes. J'ai déjà le tome 2. Et après, il m'en restera 2 autres. Oui, je sais, cette vidéo pile à lire est très petite, mais je ne vais pas mytho. Hein. Je vais lire donc His Teacher Is Mine des éditions Soleil. Et je vais lire Like the Best. Alors, Like the Best, il faut savoir que j'ai jusqu'au tome 9 et après j'ai un trou, j'ai pas le tome 10 et j'ai 11 et 12. Donc je verrai si je vais que jusqu'au tome 9, est-ce que je vais jusqu'au tome 12. Ça je verrai sur le moment au niveau de ma lecture, à quel moment c'est plus facile de couper la série au niveau de ma lecture et de reprendre un peu plus tard. Toujours est-il, donc je vais enfin pouvoir lire cette série parce que du coup j'ai tout le mois d'octobre pour lire des mangas. Tout ça, après tous ces titres que je viens de te présenter, seront présentés pendant le mois de novembre. Donc j'ai de l'avance, je suis tranquille, etc. Ensuite, pour continuer, au moment où je filme, je dois lire cette semaine Monster Girl Party. Donc ça, je vais le lire normalement peut-être demain matin, je l'espère. Et donc, si jamais j'ai de la place pour le lire, parce qu'il y a aussi un titre des éditions Meian qui va sortir tout fin octobre. C'est un manga halloweenesque, c'est 5 secondes, je ne sais plus le reste du titre, mais c'est 5 secondes. Donc ça, il sera à lire aussi pendant le mois d'octobre. Et si j'ai de la place au niveau de mes lectures, j'ai Too Close To Me à lire. J'ai les 4 premiers tomes et je crois que la série est terminée en 11 tomes, un truc comme ça. Donc je lirai Too Close To Me si j'ai le temps. Et si j'ai pas le temps, bah, je ferai autre chose, je lirai autre chose ou
Voilà, je verrai sur le moment même. Mais voilà, donc en ce qui concerne les mangas que j'envisage de lire pour ce mois d'octobre. Et oui, il n'y a pas beaucoup d'Halloween, vu que comme tu le sais, je lis les mangas largement à l'avance. Parce que là, à part quasiment les titres des éditions Meiyan, les trois vidéos Meiyan que je dois te proposer, et à part les petites vidéos du dimanche et une éventuelle vidéo bonus, qui est une vidéo que je présenterai sur cette chaîne-là, qui sera les hentai pour Halloween. Franchement, après, j'ai quasiment tout de... déjà, tout est filmé, tout le reste, quasiment. Il me reste juste... Ah si, il y a Survivor Club que je dois lire et que je dois surtout acheter. Il y a la série est en 3 tomes et donc ça se termine tout début octobre. Donc, je vais... donc moi, au moment où je filme samedi, je vais... donc sur Bordeaux. Donc je vais m'acheter le tome 1, voire le tome 2. Et j'aurai aussi Survivor Club à te présenter. Mais à part Survivor Club, à part les trois vidéos, Meiyan, la vidéo donc Halloween, les hentai pour Halloween et les vidéos du dimanche, tout le reste est déjà filmé. Il n'y a plus qu'à faire les montages pour te donner une idée. Donc voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de mangas Halloweenesques pendant le mois d'octobre au niveau de mes lectures. Bref, toujours est-il, cette vidéo pile à lire est donc déjà terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire quelles sont toi tes lectures pour cette fin du mois de septembre, mais aussi pour ce mois d'octobre. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve donc début novembre pour te parler de ma pile à lire du mois de novembre. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt !